Allez, bonjour à tous. Donc un petit TD d'application sur l'analyse fonctionnelle SADT. Donc nous allons commencer par des analyses de niveau A-0. Système complet. Donc une bétonnière électrique. Pourquoi j'ai acheté une bétonnière électrique? On va mettre le nom en entier en dessous. Voilà, bétonnière électrique. À l'intérieur du rectangle, on va mettre la fonction. À quoi ça sert? Pourquoi j'ai acheté une bétonnière électrique? Ben c'est pour mélanger, malaxer. Mélanger, c'est la même chose. Les ingrédients, qu'est-ce qu'on met dans la bétonnière électrique pour obtenir du bon béton? On va mettre de l'eau, du sable, du gravier et du ciment. Ça vous mélange le tout et si ça a bien fonctionné à la sortie, on va obtenir du béton. Alors voilà, matière d'œuvre entrante, sur quoi ça agit avant d'avoir agi. Matière d'œuvre sortante, sur quoi ça agit après avoir agi. Au-dessus, de quoi ça a besoin pour fonctionner ce système? Donc on va avoir l'énergie électrique. Et va falloir un opérateur quand même là-dessus pour mettre en route, pour charger, pour décharger, etc. Donc il me reste la sortie ici. Sous la matière d'œuvre, il y a tout ce qui est déchets, nuisances ou informations. Donc une bétonnière électrique, ça fait de la poussière. Évitez de l'utiliser dans la cuisine. Maman ne sera pas contente. Et ça fait du bruit aussi. Allez, la suite. Une éolienne. Magnifique éolienne. Donc le nom du système en dessous déjà. Éolienne, à quoi ça sert? Alors l'éolienne, a priori, ça transforme le vent en énergie électrique. Ce type d'éolienne, en tout cas. Donc ça va me servir à transformer l'énergie. Donc je viens de donner des réponses. Matière d'œuvre entrante, sur quoi ça agit avant d'avoir agi? Il rentre du vent et il doit ressortir de l'électricité. De quoi ça a besoin dessus pour fonctionner? Bon, il y a toute la mise en place, les programmes, etc. Par contre, il n'y a pas d'opérateur dans le coin. Elle se débrouille tout seul. Toute seule, l'éolienne. Et dans les déchets nuisances, j'ai mis le bruit, j'ai mis le visuel aussi. Il y a une grosse polémique, là, c'est en Bretagne. On ne veut pas d'éolienne en mer, parce que au niveau visuel, c'est pas joli. Moi, je trouve ça beau, une éolienne. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Allez, la suivante. Un lave-linge. Alors, le nom du système en dessous. Lave-linge. À quoi ça sert un lave-linge? A priori, c'est pour laver du linge, hein, si on l'achetait. Matière d'œuvre entrante. Qu'est-ce qu'on met dans le lave-linge? On met du linge sale. Et si ça a bien fonctionné, qu'est-ce qu'il en sort? Matière d'œuvre sortante. Il en sort du linge propre. De quoi il a besoin, mon lave-linge, pour fonctionner? Énergie électrique, déjà. Ensuite, va falloir l'opérateur, hein. Il va charger, il va faire son petit programme, mettre en route et il va décharger à la fin. Et ça a besoin aussi d'autres choses. Donc moi j'ai une trame dans mes exercices, c'est toujours la même trame. On peut rajouter des flèches ou en enlever. Donc je rajoute quand même de l'eau et de la lessive, ça va mieux fonctionner. À la sortie, déchets nuisants, soit au bruit, eau sale aussi. Chaleur, ça dégage de la chaleur, j'aurais pu le mettre. Ne pas oublier l'eau sale, hein. Ça m'implique de prévoir une évacuation d'eau. Un petit dernier pour la route, Perfect Pit Feeder. Donc, vous partez en vacances, vous laissez votre chat 2-3 jours, quand même qu'il mange, hein, la petite bestiole. Donc, un distributeur de nourriture pour les animaux, de croquettes, hein. Nourriture sèche, c'est mieux. Alors, le nom du système en dessous, à quoi il sert? Alors, j'ai pas mal d'élèves qui me disent que ça sert à nourrir les animaux. Cet appareil-là, il attrape pas le chat et il va pas le gaver, hein. Donc ça sert pas à nourrir les animaux. Le chat, il peut être mort entre deux. Le Perfect Pit Feeder, il continuera de fonctionner. Donc ça sert à distribuer la nourriture. Après, la bestiole, elle vient ou elle vient pas, c'est pas son problème. Donc si ça sert à distribuer la nourriture, une fois que j'ai défini la fonction, c'est facile de trouver la matière d'œuvre. Ça agit sur quoi? Sur la nourriture. Elle est où la nourriture au début? Dans le réservoir au-dessus ici. Et s'il a bien fonctionné, la nourriture elle est arrivée, elle est distribuée, elle est arrivée dans la petite gamelle en bas. De quoi ça a besoin pour fonctionner? Donc ça va être un système électrique, ça, énergie électrique. Et j'ai enlevé l'autre, hein. Bon, au début, il faut faire son programme, il faut le charger, mais après, vous n'êtes plus là pour vous en occuper. Donc, moi, je fais l'analyse fonctionnelle en fonctionnement normal. Donc, fonctionnement normal, vous êtes parti en vacances, il se débrouille. Déchets nuisances, c'est pareil, j'ai rien mis.
Ça fait un petit peu de bruit quand les croquettes tombent dedans, mais c'est pas une nuisance, hein. Ça prévient le chat que c'est l'heure de la bouffe. Allez, deuxième partie de l'exercice. On va étudier un système complet là, le store SOMFI, pas de pub, mais quand même, c'est celui qui est tout le temps utilisé. En exemple pour l'analyse fonctionnelle, le store présenté ci-dessous est automatisé. La présence de soleil déclenche la sortie du store et la présence de vent ordonne la rentrée ou interdit la sortie. Donc à un certain seuil de vent, on empêche le store de sortir. Le tout est commandé par une centrale ici qui va récolter les informations de position du store aussi. Et suivant tout ça, il autorise ou non la sortie. L'utilisateur peut bien entendu commander directement le store, quelles que soient les conditions climatiques. Restez maître de votre système, hein. Si vous avez envie de sortir votre store la nuit, vous pouvez en appuyant sur le bouton. Ou s'il y a une grosse tempête, vous avez envie de changer de store, vous avez qu'à le sortir et il va partir tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte après ? Analyse les données là, ce coup-ci. À tirer 0, le système complet. À quoi sert le store automatique ? À protéger du soleil. Donc le store est en position initiale, suivant les conditions, il va être en position finale. Donc soit il est sorti, il y a du vent qui se monte, il rentre, soit il est rentré, il y a du soleil qui arrive, il va sortir. Il a besoin d'énergie électrique, des informations de ses capteurs, et puis de l'ordre de l'utilisateur. Soit on est en automatique, soit l'utilisateur il peut passer en manuel. Voilà pour le store complet. Analyse de niveau à tirer 0 là. C'est pas A-0 justement, analyse de niveau A0. On a décomposé le store en trois parties. Les capteurs, la centrale qui gère tout, et le tambour moteur qui va rentrer ou sortir le store. Donc si on regarde le store position initiale, store position finale, le tout est alimenté avec de l'énergie électrique en haut. La centrale, je peux la commander directement à l'utilisateur. Et les capteurs ici, capteur de luminosité et de vent. Là, il y a l'anémomètre qui envoie les informations à la centrale. À la sortie ici, jusqu'ici on avait des nuisances déchets. Là, ça va être l'indication position de store. L'indication, elle part dans la centrale. Comme ça, la centrale sait toujours dans quelle position on est. Elle pourra donner son ordre. Et maintenant, on va passer à l'exercice qui est demandé. Compléter l'analyse pour le tambour moteur. Tambour moteur. On va s'occuper de cette partie-là. Donc elle était donnée. Et le tambour moteur, l'analyse est déjà faite. Donc je laisse mes élèves réfléchir là-dessus. Et ils me mettent des choses plus ou moins bonnes. Et en fait, il n'y a qu'à recopier. Hein. À quoi sert le tambour moteur ? À manœuvrer le store. Qu'est-ce qu'il y entre ? Le store en position initiale. Il en sort le store en position finale. En dessous, alors va y avoir l'information position de store qui va repartir à la centrale. Et au-dessus, on va avoir les consignes, il va y avoir aussi l'énergie électrique, vaut mieux. Et bien voilà pour cette analyse fonctionnelle.